Yo la mif, pour ceux qui me connaissent pas, enchanté moi c'est vous. On est aujourd'hui au studio Red Eyes pour un nouvel épisode de Studio Surprise. Cette fois-ci, deux compositeurs ont accepté de relever notre défi. Il s'agit de Dinguerie et Guapo du Soleil. Dans un instant, c'est Lala Ace qui va arriver pour une session studio et comme à notre habitude, c'est une surprise qu'on a organisée. On accueille tout de suite Guapo et Dinguerie, c'est parti. Messieurs, merci infiniment d'avoir relevé ce défi. De rien frérot, je suis grave content. Vous avez habitude de travailler ensemble? Comment ça se passe généralement? Moi tu vois, je fais plus tout ce qui est mélodie. Je suis guitariste à la base, donc je fais des mélodies à la guitare, des fois au piano, etc. J'envoie à Guapo. Guapo il fait toute la prod. Des fois je retravaille les structures, la plupart du temps c'est lui, on envoie ça tu vois. On me dit dans l'oreillette que la surprise est arrivée. J'ai hâte de voir qui est là. Est-ce que vous êtes prêt à l'accueillir? Fort gros. À fond mec. Oh quoi? Ça va tranquille? Ça va bien quoi? Ça va bien quoi? Ça va tranquille? Oh les gars, quelle surprise! Ça va partir, incroyable! On va faire un super morceau! Lala Ace, je te présente Guapo et Dinguerie. Guapo Dinguerie, je vous présente Lala Ace. Merci à tous d'avoir relevé ce défi. Merci, merci. Ce qui va se passer là, c'est je vais partir, je vais vous laisser travailler. Tout ça, c'est votre endroit et il n'y a aucune limite de temps, aucune limite créative, c'est vraiment vous qui décidez de ce qui va se passer. Tant que vous me revenez avec de la musique quand même. Let's go, on va faire ça. Est-ce que tout le monde est bon? Merci. C'est parti, let's go. Je disparais. Du coup, toi, t'es dans quel mood un petit peu en ce moment? C'est quoi un peu tes inspirations ou... Non, en ce moment, j'écoute beaucoup Missy Elliott. Donc, ok. Un truc comme ça, mais les ambiances un peu Timbaland, un peu arabisantes et tout. Ok, de fou. Vas-y. Mais je crois que ça, c'était délire en plus un peu. Ouais. Moi, ce qu'on peut faire, c'est que je peux jouer plusieurs mélodies, tu vois, à la guitare. Je peux en enregistrer plusieurs, etc. Et après, on envoie à Guapo, il fait une prod dessus, tu vois. Vas-y, on va essayer, de toute façon. Vas-y, c'est carré. C'est pas que je l'écoute. Ouais, c'est nice, ouais, de ouf. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver des petites mélodies pour l'enrichir un peu. Et direct, je vais l'envoyer pour qu'il fasse la prod. Et je reposerai peut-être des guitares encore après, mais quand tu auras fait des top lines, okay. Tu vois, comme ça, je pourrais suivre un peu tout ce que tu fais. Ok, je vais déjà. Mais fais pas tout de dum, fais tum 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 tum, tu vois ou pas? Ouais. Ah ouais? Ce qui était bien, c'était la liaison des notes tout 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 tout. Et c'est justement ce que. Vas-y comme tu sens. Hein. Parce que sinon je vais. Genre, tu sais, c'est trop. Non mais sans le marquer comme ça, mais comme tu le faisais tout à l'heure, en fait, je sais pas, tu l'as fait d'une façon tout à l'heure, j'ai kiffé de ouf. Mais vas-y, fais comme tu sens de toute façon. Accepté. Merveilleux. Ouais, c'est carré, mec, là. Allez, moi j'ai fini mon travail, les boss. Salut. Salut, salut. Hop. Hop. Tu veux un instrument en plus, toi, ou tu veux que ce soit vraiment genre en mode de guitare, quoi? Là, c'est bien, hein. Mais si toi, tu veux un autre truc, moi, je... En fait, je verrais bien peut-être deux notes, tu vois, ou un truc comme ça, je sais pas, genre... Vas-y, fais. Je vais tester, hein, de toute façon. C'est lourd, ça, c'est là. Petit reverse. Peut-être une partie au début, tu vois, comme ça, genre... Ouais.
Et l'intro à avoir, peut-être on peut faire un truc à la guitare comme tu disais tout à l'heure, tu vois, genre plus évolutif et tout, tu vois. Ouais, 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 ouais. C'est quoi ta mis? C'est un genre de cri, genre? Ouais. C'est un éléphant. Après, je pense, tu vois, là, il a fait une structure ouais. De refrain couplé dans les drums. Ouais. Et je pense que le mieux, c'est que tu poses sur ça, tu vois, comme ça, toi, t'as rythmiquement, t'as un truc. Moi après peut-être que je changerais les trucs des guitares pour que ça change vraiment tu okay, vois d'accord. Entre les couplets et les refrains mais ça commence par couplet on est d'accord ça commence par couplet. Par un petit couplet ouais. Les gars, j'entends des saveurs d'été là, je pense qu'ils ont bientôt fini la prod. Ce qu'on va faire c'est qu'on va aller checker, mais avant que j'ouvre cette porte, pensez à vous abonner à Interlude. Vous êtes de plus en plus à nous rejoindre et ça nous fait vraiment plaisir. Allons-y. L'équipe, si j'ai bien compris, la prod est terminée. Ouais pas tout à fait parce que nous on aime bien travailler en couche, ça veut dire que là j'ai fait une première version rapidement histoire qu'on puisse poser des voix tu vois, que là elle puisse mettre la vibe un peu sur le son. Ok. Et puis voilà quand elle aura fini moi on refera des arrangements et tout, je vais épurer, faire des transitions etc. Donc, mais là c'est carré là. C'est carré. Ouais, c'est carré. Caliente, t'as vu. Nagri, est-ce que tu veux me raconter ce qui s'est passé? Bah frérot, moi j'ai sorti ma guitare tu vois, ouais. Je fais une petite boucle, je vais te montrer ça. Oh elle est là. Toi t'as fait ça, c'est ça? Non, tu vois, on est parti sur un truc un peu dansant, un peu espagnol, tu vois, comme ça. Je crois qu'il a fait des drums un peu plus afro, tu vois. Après, il y a une petite autre partie, j'ai fait ça, j'ai fait une autre mélodie qui fait... Tu vois, un peu plus saccadé. Ok, ça. Pour faire des parties différentes. Et là, du coup, on a fait des bases rythmiques pour que Lala pose ouais. Ses refrains couplets. Là, elle a envie de faire un truc un peu reggaeton ouais, et tout, tu vois, ça. Façon. Pas trop Naija, mais ils ont bien suivi le bail et tout, c'est carré, franchement. Alors, niveau écriture, t'en es où? Bah, moi, j'écris plein de trucs. Là, j'ai essayé de restructurer maintenant qu'ils ont mis un peu une structure, t'as vu? Et là, on va poser 2-3 trucs et on va voir un peu comment ça donne. Hein. Vas-y, let's go! J'ai envie de m'envoyer dans l'autotune. Sale! Trop sale! Ok, vas-y, tu m'entends? Ouais, c'est bon, let's go! Sauter au plafond, faut juste grimper au rideau. Grimper au rideau, ma copine vient voir voir le feu. Mes ennemis me rabattent. Toxique, son one est trop toxique. Faut se sous oxy. C'est ma young foxy, ma foxy. Monte dans le ring qu'on se boxe. Passe toi dans mes locks. Faut que me fais pas la tox. Elle est légère comme un clock. Surtout haut comme une bop. Bof, j'peux décoller le haut. Et on va recoller le bas. Mets-toi de côté d'eau. Maman reconnaît pas. Pas Foxy tout rond, ma Foxy brun. Foxy bonbon, un bac de citane. C'est plus qu'au dîner en fond, elle devient aussi bonne. J'peux plus tourner en rond. Toxique. Son one est trop toxique. Faut se sous oxy. C'est ma young foxy, ma foxy.